très heureux d'avoir d'être enfin arrivé à Béjaïa pour pouvoir entamer ce projet-là qui a été installé par M. Rezvaj. Ça a été très compliqué de pouvoir rejoindre Béjaïa, ça a mis longtemps, c'est la première fois que ça m'arrive. Écoutez, on est enfin là, j'ai pu prendre contact avec l'ensemble du staff. On a commencé à réfléchir à la suite de la programmation. On va rencontrer les joueurs dès demain et puis commencer à travailler très tôt. C'est l'élément essentiel qui m'a fait prendre la décision de revenir ici à la GSM. C'est ce qui m'a enfin décidé à revenir ici à la Béjaïa, parce que miser sur la jeunesse en Algérie, c'est assez rare. Maintenant, ça va prendre du temps. Gageons que ceux qui ont été recrutés soit à la hauteur des attentes, mais c'est un projet très 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 intéressant. La direction a misé sur les jeunes, donc on sait que ça va prendre du temps. La direction semble nous avoir donné le temps de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc on espère se mettre à l'abri assez rapidement pour pouvoir continuer à travailler dans la sérénité. Si des choses intéressantes se présentent en termes de montée, on ne crachera pas dessus. Mais l'objectif, à terme, c'est de pouvoir proposer une équipe jeune à Béjaïa, susceptible de retrouver prochainement la Nationale 1.